Salut tout le monde, cinquième épisode de notre quotidienne jusqu'au résultat des élections du Grand Conseil bernois. Pour rappel, je prends une question par jour que j'explique un petit peu plus sur celles qui m'ont été posées sur smartvote.ch, donc le site qui permet de créer et de dresser un aperçu de chaque candidat pour être mieux cerné par la population votante. Et aujourd'hui, on s'attaque au domaine de la santé publique avec la première question. Le canton doit-il renoncer à privatiser davantage les hôpitaux, par exemple par la vente d'actions à des privés? Moi, j'ai répondu non, il ne doit pas y renoncer, parce que je suis pour un marché libéral où la compétition augmente et améliore la qualité des services rendus. Je trouve qu'il est important que le marché se régule lui-même par rapport à l'encouragement que les consommateurs et que la clientèle fait sur certaines institutions, et il en va de même pour la santé. Bien entendu, pour moi, il faut que certains établissements restent publics pour que l'accès des soins à toute personne cotisante ou nécessitante puisse être toujours garanti. Néanmoins, il est important d'encourager le fait de s'auto-améliorer en permanence pour rester compétitif et pérenne, plutôt que de s'enliser dans des standards de la bureaucratie et l'administration qui mettraient en péril la qualité des soins rendus. Voilà, c'était ma réponse concernant la privatisation des établissements de santé dans le canton. J'espère que ça vous aura plu. Vous pourrez trouver les transmissions sur Instagram, TikTok et Facebook. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine question. Ciao !